Atelier Géodesign, bonjour. De retour sur cette Audi A7 sur laquelle j'ai fait un camo il y a quelques semaines maintenant. Donc seconde et dernière étape du travail, puisque des finitions ont été apportées en lien avec les étriers de frein, qui à l'époque étaient, enfin à l'époque, la première fois étaient verts. Donc l'idée était d'apporter une touche verte, un petit rappel comme celui-ci qui est rouge. Donc voilà, finalement, ce sera rouge pour les finitions. Alors concernant la technique, il y a plusieurs solutions, ou de superposer les films, ou de les juxtaposer. Moi je choisis de les juxtaposer, ce qui veut dire que j'ai cette couche qui vient en bord à bord avec celle-ci. Alors en bord à bord c'est un grand mot parce que il faut que les films tiennent, donc il y a un léger chevauchement. Voilà. Par contre, là où je suis vraiment en bord à bord et que je laisse une toute petite marge, c'est concernant le petit effet rouge. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, je ne suis pas en chevauchement. Et c'est ce qui donne ce petit effet 3D, c'est un grand mot, mais petit effet de relief. Donc voilà concernant l'extérieur du véhicule. Comme mes clients sont passionnés de camo, on est allé un peu plus loin dans la finition. Et les inserts ont été traités en camo également. Celui-ci est plus réaliste alors que celui de l'extérieur est vraiment géométrique. Pour les passionnés, réalisé à l'atelier. Je souhaite que cela vous ait plu autant qu'à moi. À une prochaine. Bye.